manipulation concerne la création des styles pour nos titres. Donc, les documents ici, les complets. Donc, on va créer les styles. Donc, pour les titres, il faut que ce soit des styles du type paragraphe. Donc, je vais garder que mes styles personnalisés pour les voir plus facilement. Clic droit, nouveau. Donc, les premiers titres. Donc, le titre 1 étant toujours le plus important, je vais lui donner un nom. Mon titre 1. Les styles de suite, ça va être généralement les cordes de texte. Et il va hériter du style titre 1 prédéfini. Voilà, on nous a demandé de créer des styles avec certaines caractéristiques. Titre de niveau A, Georges, cesse bleu italique. Donc, ça, on va les faire dans police. Donc, ici, on va chercher la police Georgia. Cesse italique. Et dans les effets de caractère, donc je vais choisir une police bleue. Et on va simplement dire OK. Donc, mon titre apparaît ici. Je vais me placer sur un des titres que je vais modifier et je fais deux clics rapides sur le nom du style. Et il va être appliqué. Si jamais il faut faire des modifications, vous voyez là, les titres, ils sont centrés. Je vais simplement faire clic droit sur le nom du style, modifier. Et là, j'ai un nouveau accès aux différentes caractéristiques pour les paragraphes et la police. On peut faire la même chose pour les titres suivants. Donc, on nous a dit de créer un style avec Bookmark, All Style, 12 gras, petit majuscule. Donc, même chose, nouveau. Je vais l'appeler mon titre 2. À nouveau, corps de texte. Et il hérite des titres 2 cette fois-ci. L'alignement, on va garder à gauche. Police, donc on nous a dit. On peut toujours faire une première fois, on peut toujours revenir, comme je vous ai montré, sur les différentes caractéristiques, ça va être appliqué à tous les styles. Donc là, on veut qu'il soit noir. Et dans les effets, on va choisir les petites majuscules. Je vais faire OK pour avoir mon deuxième titre que je peux à nouveau appliquer là où c'est nécessaire. Donc je me place sur la phrase, je fais deux clics et ça me permet d'avoir tous mes styles.